Mesdames et messieurs, c'est parti pour la fin. Attends, laissez-moi refaire cette intro, de toute façon, intro de youtubeur. Attends, j'ai pas le son. Attendez, j'ai pas le son, attendez! Mieux que Miss Fervel. Ah ouais, je sais pourquoi j'ai pas le son. Clouc, 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 clouc. Vous avez pas le son non plus, les gars, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans la fin, le chapitre final de Until Dawn. Est-ce que vous allez mourir? Est-ce que vous allez en survivre? Précédemment dans Until Dawn. Oh! Emily! Mort. Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti! C'est trop tard. Chut, silence. Elle l'a probablement emmené dans la mine. Stop. Ne bouge plus. Non. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Ok. Ricky le héros. Waouh. Ah, le con. Faut qu'on trouve un moyen d'aller. Ouais, regardez, il est assez con, il a laissé son fusil à pompe pour bloquer la porte et pas la pelle. Hein. Regardez bien ces connards. Hein. Ah, les rageux vont me dire, eh, mais il avait plus de balles. Bah, il a qu'à prendre plus de balles dans ses poches. Chapitre 10, repentance. Une heure jusqu'à l'aube. Le toutou est mort. Bah, on sait pas, on saura jamais. On s'en branle un peu en fait, je t'avoue. On s'en branle littéralement. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Vous n'écoutez pas et la situation est si compliquée. Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seul. Mais vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seul longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Et lui, il est devenu complètement malade, lui, hein. Il est devenu complètement malade, lui. Laissez-moi! Laissez-moi! Laissez-moi tranquille! Non! Vous êtes morte! Désolé. Vous êtes morte! Non! Ferme-la! Non! Vous êtes morte! Nous a manipulé. Ils vont adorer. Ils vont adorer quand ce sera fait. Je reçois des ordres de personne. Vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Vous ne pouvez plus me donner d'ordre maintenant. Je suis sauvé. Ok. Ok. Oui. Nous n'avons plus de temps. Je vous crois. Je vous crois. C'est moi qui joue? Attends, je vais jouer ce coq? Josh,
parler à lui. Non. On était toutes seules ici. Non, pas encore. Toute seule. Mais t'es là maintenant. Avec ta famille. Allez-vous-en ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh ? Merci, PlayStation. Pourquoi tu voulais qu'on meure ? Je voulais pas que vous mouriez. Je jure. What the fuck ? What ? Non ! What the fuck ? Chat, est-ce qu'on est d'accord ? Ok, j'ai juste une question, je suis désolé. Mais est-ce qu'un QTE est un choix ? Est-ce qu'un QTE reste un choix, les gars ? Donc là, j'aurais pu choisir de ne pas appuyer sur carré. Ou dans ce jeu, en fait, dans ce jeu, le QTE, il est juste obligatoire. Et si tu loupes, t'es une merde. Non, les gars, attention à ce que vous dites, parce que je pense que là, dans celui-là, dans Until Dawn, le QTE n'est pas un choix. Josh. Non, je sais pas, Oh, wow. Non. Pourquoi vous faites ça? Laissez-moi tranquille! Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? Attention les jeunes, c'est des images assez troublantes et dégueulasses. Ça reste une fiction dans le monde de là-bas. C'est dur de croire que ce monstre ait été une personne. Ouais. Peut-être un mineur. Peut-être quelqu'un qui bosse. Mineur ? Oh non, ça c'est pas moi. Il se passait tellement de trucs banals ici que ça ne surprendrait même pas. Des mineurs ? Non, hé les gars ! C'est pas parce que je suis influenceur que. Quelqu'un qui. Voilà. Capturait les Wendigo. Puis les attachait avec des chaînes. J'ai vu des trucs vraiment tordus. Wow. Ils se sont sûrement échappés quand tout a pété. Bien joué. Ah, moi j'adore les mineurs. Ah, franchement, les gars. Moi je mine du fer, du titanium, y a pas de problème, moi je mine tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Y'a aucun problème. Mike, c'est quand même pas ce que je crois. Merde. On dirait une tombe. Une Apple Watch. Bess, mais qui a écrit Bess sur sa montre, frérot? C'est quoi, c'est riche? Tous les mineurs, bien sûr, j'adore tous les mineurs. Très bon. Moi, je mine le béton, je mine tout ce qui bouge. C'est Abbess. C'est sa montre. Quoi? Blague un peu too much, ok? Arrêtez. Regarde, il y avait une croix là. Alors, c'est là qu'elle reposait. Ah, mais. Qui l'a déterrée? Ah. Allez, continuons. Attends, mais pourquoi il y a du sang partout, Sam? Chat, pourquoi il y a du sang partout? Oh putain. Bon, très bien. Non, on va pas dans l'eau, s'il te plaît. C'est bon, viens. T'es sûr? Je suis encore vivant. Ouais, tes dernières paroles. Ah, pas dans l'eau, je n'en supplie, pas dans l'eau. Putain de merde. Je sens plus mes doigts. Mais non, mec, elle s'est changée il y a 2 secondes, genre. Pourquoi elle a du sang partout?
Quelqu'un a le head sheet. Oui, oui, t'inquiète. On va te l'envoyer. Ça arrive. Casse-toi, je suis en train de rouler là. Oh waouh, waouh! Oh, 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 oh. C'est pas vrai. Oh non, oh non. Attends, mais t'es sérieux? Ils nous observent? Oh mon Dieu! Non, mais ils mettent leur corps là? Non! Oh, je vais être malade. Attends. Je crois que j'ai vu quelque chose. Oh non. Oh non, non, s'il te plaît, non. Oh, s'il te plaît, je suis pas prêt là. Josh! Je suis pas prêt, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, les gars. Hey, Josh? Faut que je pose la manette. Josh? Mec. Il y a pas de QTE là, c'est bon. What the f... Ah lui il est en train de se faire... Il est en train de délire. Josh! Mike Josh! Eh hey, vieux. Non, me frappe pas. Me frappe pas, pitié. T'étais parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Yes. J'ai la clé. Tu vois ça là-bas? T'as déjà la clé. Ça veut dire qu'il y a une sortie directe, allez. Ils sont sympas quand même, hein. Après, hey, tiens. Question. Vous pensez qu'il serait quand même venu récupérer Josh s'il avait pas la clé du téléphérique? Vraie question, les gars. Non. Ouais, d'accord. Mais bon, vu qu'il est là, autant le ramener. Tu vois? Là-haut. Ok, si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Mais quoi? Mais oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est bête! Mais c'est pas possible! Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller prévenir les autres qu'on va bien? Rentre avec eux! Pourquoi te splitter? Ouais, toi aussi. Allez, on y va, espèce de malade. Pourquoi se splitter, sa mère? Allez hop, moi je vais à gauche. Obligé de frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un totem? Pas touche. Oh non! Il est là, les gars! Aïe, j'aime pas!
Dans l'eau, j'aime pas, les gars. Talage à Pop Smoke, tu fais... Qu'est-ce que t'as dit, toi? Talage à Pop Smoke, tu fais des QTE. Haha, réveille-toi, mec. Prends time out. Avance. Chat. Oh putain, non, c'est bon. Respirez, chat. Non. Non. Oh wow. Non, tu n'es pas réel. Non, tu n'existes pas. Oh wow, wow. C'est Anna. Ils sont morts de faim dans la mine. Ils sont morts de faim dans la mine, et c'est pour ça, en fait. Oh, Matt. Faut que je sauve. Ils sont morts de faim dans la mine, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus des Wendigo. Parce qu'elle a bouffé sa sœur. Oh, c'est ça! Tu vois, là, j'ai essayé de cancel slide, les gars. Et ça n'a pas marché. Donc, je suis obligé de le faire. J'ai essayé de cancel slide. What? What the fuck? Jeff? C'est toi? Regarde mon QTE à la Pop Smoke, toi. Bon sang, Jeff. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Putain, t'as réussi à t'en sortir? Ouais. Il s'est passé des choses bizarres ce soir. Il y a un putain de cinglé avec nous ici. Non. Quoi? C'est pas quelqu'un. C'est quelque chose. Jess, t'as eu une nuit difficile. T'as l'air secoué. Non. Je te jure. C'est bon. Je voulais pas te faire peur. Non. Tu peux bouger? Oui. Allez, Jess. Ouais, vas-y, viens, on y va. Suivez ma lanterne magique. Suivez ma lanterne magique, Jess, vas-y. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Suivez ma lanterne magique, là. Oh, putain. Loading bay. Regarde ça. On dirait un éboulement. C'était moi. Quoi? Je suis tombée à travers le toit. T'es tombée de si haut? Putain. Au moins, t'es pas la seule. Quoi? Eh ben, je suis tombée d'une putain de tour tout à l'heure. Tu plaisantes, là? J'aime pas cette musique. Ma lanterne magique, guide-moi. Et si... Merde. Jess. Par où? Bon, allez, Jess. La lanterne, non, s'il te plaît. Non, pas la lanterne. Non, pas la lanterne, pas la lanterne, s'il te plaît. Pas la lanterne. Oh, le chaud, non. Je vais faire les gars. D'accord. On y va. On doit y arriver. À sortir d'ici. Allez. La lanterne, frérot. Allez. Le courage du mec. Je me serais pissé dessus, je me serais enterré de bout de bois, les gars. Jess. Jess. Allez.
Abandonner... Attends. Abandonner Jessica ou se cacher ensemble? Comment tu veux que je me cache ensemble? Hein? J'ai pas envie de l'abandonner, les gars, mais peut-être que c'est le meilleur choix. Mais je vois pas, en fait, comment on peut se cacher ensemble, les gars. Je vois pas comment on peut se cacher ensemble, elle est derrière moi. Il y a un gars, il a dit rien. Si je fais rien, il se passe quoi? Oh mec, tu m'as donné envie de rien faire. Oh, oh. C'est vrai que les deux choix sont pourris. Alors on fait rien. Je vous baise. Je vous baise. Non, 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 pas double kill. Mais non, mais pas double kill. Non, mais pas double kill. Je peux recommencer là, non, vas-y. Chat. Ok. Vous voulez qu'on en parle? Se cacher, ça peut être la merde. Le mec, il est derrière nous. Ok. Abandonner Jessica, c'est le seul truc qui était bien. Ok. Le seul truc qu'il fallait faire là-dedans, c'est qu'il fallait abandonner Jessica. Je pense que le truc qu'il fallait faire, c'était d'abandonner Jessica. Il y a encore un connard qui me dit jaillir, frérot. Mais comment tu voulais te cacher? Mec, la scène pue la merde! Le mec, il est dans notre champ de vision, comment tu veux te cacher? Comment je reset? Je dois couper la PS5? Ça va pas. Ah. Ok, attends. Je fais quoi? Je fais. Éteindre la PS5? Éteindre la PS5, les gars? Éteindre la PS5. Ok. Ah, fallait fermer l'application, ça suffisait? Bon, j'ai éteint la PS5. Alors, vu que c'est une console next-gen, hein, ça met 10 ans à s'éteindre. Ça met plus de temps à s'éteindre que. Autre chose. Les gars, hey, qui m'a dit de rien faire? C'était qui? Qui m'a dit de rien faire? En vrai, il y avait un truc. Non mais, en vrai, les gars, je suis pas si con que ça. Chat, en vrai, je suis pas si con que ça. Il y avait un truc. Tu bougeais pas, tes persos ils bougent pas, et bah du coup le Wendigo il te voit pas. Non, il y avait un truc. Non, il y avait un truc, les gars. Comme avec Emma. Frérot. Emma, il y avait un truc aussi. Il y avait plus un truc ici qu'avec Emma, ok? Arrête un peu. Mec, j'espère que ça va pas niquer toute ma sauvegarde. Hein. Oh, les gars. J'espère que ça va pas. J'espère que je vais pas devoir commencer. Hein. Si? Oh, j'espère. Comme ça, on finit pas le jeu ce soir et comme ça, j'ai encore du contenu demain. Si! Ah, vous me cassez les couilles avec vos si là. C'est sûr, il y a une mine.
Ah bah ils sont morts, qu'est-ce que je te dis? Allez! Saute, idiote! Aïe. T'as un mec, pas double kill, frérot! Attrape! Mais qu'est-ce que c'est que cette manière d'escalader, frérot? Tiens, j'en suis sûr qu'il y avait un totem, j'ai pas les aides. Tu peux aller dans les fichiers de la PS5 et supprimer la sauvegarde. Quoi? Pour aller à une ancienne. Comment je fais? C'est vrai? Écoute pas ça. Ok. Tu peux pas faire des sauvegardes dans ce jeu, mec. Il t'encule. Le jeu t'encule. Il marche bizarrement, là. Ah, frérot, là, il va... Eh, mec, si elle meurt, là, j'ai le seum. Chat, ce qui me vénère... Ok, chat. Ce qui me vénère, c'est que l'autre con, il reste comme ça. Pendant que la meuf se fait déchiqueter la glotte, le mec, il reste comme ça. Après, c'est vrai que j'ai... Parce que c'était mon choix. Parce que il aurait pu soit l'abandonner, soit se cacher. Mais je me suis dit, vas-y, il va se cacher ce con, tu vois. Pendant qu'elle se fait couper la gorge. Et non. Bah, c'est traumatisant. Ouais, j'avoue, tu vois ton pote se faire déchiqueter. Bah, tu sais quoi? Eh, hey, flash news. Eh bah, reste là à le regarder. Surtout, ne l'aide pas. Ok? D'une, ne l'aide pas. Et de deux... Il devrait déjà être gelé en fait de base. Et de deux, te cache pas quoi. Putain. Ah, ça me saoule d'avoir eu le double kill. Encore, c'était juste Jessica, ça me va, tu vois. Mais si c'était double kill, ça me saoule, tu vois. Putain, ça me saoule. Ah, ça me saoule, frérot. Ah, ça me saoule. Mais quel enculé qui m'a mis ne rien faire dans la tête. Quel enculé m'a dit ça, putain. Ah, Wendigo. Il y a un Wendigo dans le top, les gars. Allez, courage, Sam, tu peux être méga inutile. Courage, Sam, tu pourras être méga inutile et dire à tes potes que c'est bon, ils sont en C. Les autres, Josh et C. Oh putain de merde. Eh merde, c'est l'heure du QTE. J'ai gagné. Regarde devant. J'ai gagné. Oh putain, j'ai failli perdre. Allez, ouvrez-moi. Les gars, merde, vous êtes là. Je pète la vie. Laissez-moi entrer. Sam. Oh. Merde. What? Oh putain. T'as une sale gueule. Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez. Attends, est-ce que je suis obligé de faire ça? Ok les gars, j'ai gagné. Ah, j'ai le seum, double kill. Mike, il lui est arrivé quoi à Josh? Oh. Il l'a eu. Merde,
Y'a pas plus atroce comme mort. Ça craint. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons voir au sous-sol. Il reste peut-être quelqu'un. Il reste peut-être quelqu'un? Tu me bloques, gros lard! Un double kill, mec, c'est vraiment trop chiant, en fait. Le double kill, c'est... Je te le dis, double kill, c'est vraiment, vraiment terrible. C'est terrible. Se faire double kill, là, c'est... Je vous le dis, c'est terrible. Putain, il est arrivé vite, quand même, Mike. Hein. Il est arrivé sacrément vite. À ton avis, quelles sont nos chances de survie? J'essaie de pas trop y penser. Cassez-vous, allez, allez, wow, allez, what the fuck? Voilà, vous êtes oh, la bâtarde! Ferme la main! What? Ouh là là! Oh non! Ne bouge pas. Bouge pas un putain d'orteil. Les gars, j'ai posé la manette. Gollum, il y a ses frères et sœurs. Oh putain, mec, on est mal. What? Gollum, mec, qu'est-ce que tu fais avec Gollum? Oh, le boss! Oh, le patron! Oh! Waouh, c'est trop stylé, c'est trop sexy! Oh merde! Oh merde! Non! Hey, la manette est posée, connard! Ça aurait été bien qu'ils mettent des QTE en attendant, tu vois, genre ça aurait été vraiment très vicieux. Oh, par contre, allô? Arrête d'avancer, tu vois. Oh, le bâtard! Sauvez Mike! La manette est posée. Attends, me mets un QTE, s'il te plaît, par contre. La manette est posée. J'ai peur que si je me cache, je vais exploser avec le... Okay, attends. Si je couvre un interrupteur, j'active l'interrupteur, il y a Mike qui l'explose, non? Rien? Attends! Ah non, vous me cassez les couilles! Rien! Non, vous me cassez les couilles, là, les gars! Ah non, vous me cassez les couilles! Rien, Gigachad! Bon, les gars. Il est trop proche de moi, là. Il est trop proche de moi pour que je cours. Oh non, s'il te plaît, non. J'ai gagné.
Non, s'il te plaît. Bizarre. Attends, c'est peut-être le moment de courir là. Rien. Non, non, non! J'aurais dû courir! Oh putain, c'est trop! Arrête! Je suis mort, je crois. Hein? Non, non, s'il te plaît, non! Non, s'il te plaît, non! Il m'entend pas respirer, il est trop nul à chier. Let's go bébé! Let's go bébé, allez! Vas-y! Mais quittez-moi de la part! Oh. Oh. Elle est morte? Sam! Elle est en vie, les gars! L'hélicoptère arrive! Le bâtiment principal est complètement détruit. Terminé. Attendez, je vois quelque chose. J'ai la confirmation. 5 survivants. Oh non! Okay, mec, les deux morts, c'est des double kills, c'est terrible! Chat, ça faisait quoi si au début, là, je choisissais de lâcher? Ah, c'est chiant, ça. Manette en main, zéro survivant. Ouais, mais c'est pas de ma faute, mec. Le truc qui bouge là, le sensor là, il est un peu bah là, c'est une manette un peu faible, tu vois. C'est un truc de faible. Je sais pas. Donc forcément, genre, je peux être comme ça. Au début, vous pensez. Ça va quand même bouger, t'inquiète pas. Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression? Oui. Se cacher, tu sauves les deux. Serait possible qu'il les tue. Le Wendigo voit pas les immobiles. Et je ne t'aurais pas puni parce que tu as... Non. Parce que t'as pas abandonné quelqu'un. Vous comprenez pas, vous comprenez pas. Mais s'il vous a attaqué... Il m'a sauvé la vie. Il me semble que si j'abandonne Emily, Matt meurt, hein. Il me semble, hein. J'ai entendu Jessica, je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. Il l'a braqué sur mon visage. Juste là. Le double kill, il t'a cassé les couilles, moi aussi. Il aurait pu me buter. Il a failli me buter, le connard. Quand on sort avec un type pendant je sais pas combien de temps, on croit le connaître. Mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. Oh, ta gueule, toi. Eh, tu sais quoi, j'aurais dû vraiment la laisser crever, elle. Il voulait nous faire du mal. Et... J'aurais vraiment dû la laisser crever, elle. J'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Et j'ai cru. Et j'ai cru qu'on était proches. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un... Je vais bien. Vous savez, parfois, suite à un profond traumatisme... Je vous dis que je vais bien. Ils disent pas qu'il y avait des aliens. Je l'ai planté et j'ai essayé de m'enfuir, mais je savais pas, il faut me croire, je savais pas. Savoir quoi? Et planter qui? J'ai poignardé le psychopathe, je savais pas que c'était Josh, et en fait c'était lui le psychopathe, sauf qu'on pouvait pas se douter que Josh avait toutes les idées flingues en bon sang. Et Matt, vous l'avez trouvé? Non, pas encore.
Putain, il est mort. C'est ça? Pourquoi dites-vous ça? Oh, non. Il est... Oh, merde, mais j'étais la pire des garces. Et j'aurais peut-être pu l'aider, j'aurais peut-être pu le sauver. Oh, waouh, un peu d'honnêteté. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que vous me croyez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Pour y chercher quoi, Sam? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Et je donnerais n'importe quoi pour oublier ça. Mais non. Leur dis pas de descendre dans les mines. T'aurais dû leur dire de descendre dans les mines avec des lance-flammes. Bon, les gars, j'ai fait une jolie run quand même, mesdames et messieurs. Je suis extrêmement déçu quand même du double kill. Je suis extrêmement déçu là du double kill là. Josh aurait pu survivre avec plus d'indices sur sa sœur. Ah ouais? Non! Attends, t'es sérieux là? T'es sérieux là? So in the last one, we got Josh killed. La musique est vraiment solide, hein. Solide sa mère. C'est très unique, c'est très confortable. Bon. Et sans indice quand même, mesdames et messieurs, on peut quand même applaudir, hein. Deux morts sans indice. Le Giga Chad Run, mesdames et messieurs, Giga Chad jusqu'au bout, hein. Bon, le jeu, c'est une pépite, hein. Si vous avez jamais vu ce jeu, les gars, j'espère que... les gars, c'est une pépite, ce jeu. C'est une pépite monumentale. J'aimerais juste qu'on check ça parce que. So in this one, apparemment tu peux sauver Josh. Way, and then there's something different happens and you'll so. Dungeon. Donc s'il a there. Assez d'indices sur sa sœur, il se passe quoi? And then he calls her. Ah, mais attends, mais je l'ai eu ça, non? Anna. And he just gets dragged off. Oh! That's it. Il se fait pas éclater la cervelle. So, there you have it. That's how to keep Josh alive. Now, here's the spoiler bit. You don't see Josh again for the rest of the game until the very end after the credits, and he's been turned into a Wendigo. So, debatably... Attends, donc si tu sauves Josh... Tu niques l'humanité parce qu'il reste encore un Wendigo. I almost think that it might be better to let him die in the water. Ah bah ouais. As opposed to let him be a Wendigo for the rest of eternity. Parce que attends, sauf si tu le vois genre à la fin. Tu vois à la fin genre à la bataille finale là entre les Wendigos. Moi il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi les Wendigos ils se frappent entre eux. Ça c'est un truc que j'ai pas trop compris, les gars. Pourquoi les Wendigos se frappent entre eux, les gars? Pour la bouffe. Ah. Donc ils se frappaient entre eux pour savoir qui c'est qui allait nous bouffer, nous, les êtres humains. C'est ça? Attends, quoi? Save Emily? Pourquoi Emily? Ah, parce que lui, il a tué l'autre? Attends, mais what? Attends, what? Donc là, il fait ça, ok. Oh my god! Pourquoi il est mort? Ah, ça, c'est si tu le sauves pas? Si tu le sauves pas, c'est ce qui passe.
Oh le bâtard, il a pas sauvé. Et là, tu veux sauver Emily maintenant? Même pas en rêve. Run, run, run. Ah là, sauve personne, frérot. Fuck Emily. Headshot, viens. Meilleur ending. Non, Mike, il est cool. Sans lui, tu peux pas faire sauter la maison, Mike. Mike, il est cool. Mike, faut le sauver à tout prix. Attends, elle est solo? Solo. Solo. Ah non. Il y a Chris. Bon, on va faire des trois, on va faire des trois après. Regarde bien, c'est Anna qui nous sauve. Fuck! No! Donc là, elles étaient encore en vie en fait. Elles sont mangées entre elles ou je comprends rien. Oh, ça c'est tout. Comment elle meurt elle? Tu vas vers la voie? Enquêter sur la voie? Ah ouais? Jessica! No! Mais comment? Ah, ça c'est si t'arrives pas assez vite? Si t'arrives pas assez vite, Jessica elle meurt aussi? Si tu vas enquêter sur la voie et que tu ouvres la trappe, ok. Ok. I could have done something. Oh, mec, il a sauvé Matt. To do something. It wasn't good enough. J'ai pas sauvé Matt. Putain, je suis vraiment une merde. Y'a pas un post-credit? Quand tu sauves Josh. Ah, c'est ça que je voulais voir. What? Oh non. Oh, c'est dégueulasse. C'est Josh, je vous avais dit c'est Josh les gars. We have a visual on a survivor. One survivor repeat. Is that? Oh fuck! Stay back, no! Donc quand tu sauves Josh, voilà ce qui se passe. Non? Ou quoi qu'il arrive? Non, à mon avis c'est ça, hein. C'est quand tu sauves Josh. T'as cette credit scene et là t'es mort. Et là t'es mort parce que l'histoire se répète. Donc en fait, quand t'as trop d'indices et du coup en sauvant Josh, tu niques la planète. Putain. Best ending plus all survive. Hey man. Come on. Attends, moi je vais voir Matt. Là. Jess. Pourquoi elle est habillée différemment? Jess. What? Come on. Hein? Pourquoi elle est habillée différemment? Chat, pourquoi elle est habillée différemment là? Ton double kill, j'ai toujours pensé. Ah, il a changé de skin. Vas-y alors. Ah, il a pas été con, frérot. Eh, les gars, comment je fais pour afficher les pourcentages de vote de la communauté? J'ai envie de voir les gens qui ont rien fait ici, là. J'ai envie de voir le pourcentage des gens qui ont rien fait, les gars. Comment je fais? Attends, chat, j'ai absolument envie de savoir ça. Comment je fais, les gars?
0%, tu penses? Non, c'est pas possible. Je peux naviguer dans le truc ou pas? Oh non, relou. Comment j'avais, j'attends? Tu peux ou pas? Statistique globale. Ok. Ah, moi je vais vous le dire, moi je vais vous le dire, moi. C'est là, non? Emily! Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Tu crois que c'est trois? Tu peux pas. Eh bien, regarde bien, regarde bien. Tu peux pas sauter là? Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Lâche-moi! Je fais quoi là? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Qui utilise le bouton cher, frérot? Qui utilise cette merde? Pourquoi ils ont mis un bouton cher? Ils veulent pas mettre un bouton Bixby aussi sur la première? Putain! Mets un bouton Bixby sur la manette, c'est un peu en première! Et après, je nous sors tous de cet enfer. Waouh! Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Tu peux pas accélérer les cinématiques, c'est terrible. Tu peux pas sauter là. Faut sûrement lire un seul livre précis pour sauver Josh. Je m'en bats les couilles de sauver Josh, moi. Hors ligne, impossible, pas de collecte de données. Je suis pas hors ligne. Je suis pas en ligne, frérot. Ah, je suis en ligne? Mais si, mais non, je suis pas en ligne, frérot. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque... Mais si, tu peux! Bon, attends. Eh, mec, viens, on trouve une vidéo YouTube. Alors. Until Dawn... Global. Attends, merde. Until Dawn. Chapitre 10. Global. Josh! Get out. Jess, come on. Alors? Non mais c'est trop, frérot. C'est trop, mais c'est mon père. Non seulement c'est 3% qui abandonne, 3% abandonne, vraiment. Mais mec, je suis à ce point-là nul. Oh mec, eh, je suis tellement unique dans la vie, les gars. Je fais partie des 0% les gars qui ont rien fait. Je suis tellement unique, les gars. Je suis tellement unique. Je suis tellement unique, les gars. Hey. Tellement unique, les gars. Ok, bon. Et attends, ça fait quoi du coup si tu hide? Et genre, tu te caches là. T'es caché où là? C'est du mytho. Avec sa torche, le mec, non, mais il me trigger. Non. C'était en 2015, et alors? T'abandonnes pas quelqu'un, c'est normal. Ok, ok, alors. C'est quel chapitre, les gars, où... Tiens, on va mater ses vidéos, lui. On va mater ses vidéos. C'est quel chapitre?
Je crois que c'est le 3 où tu dois sauter avec... All right, my lady. Ça doit être le 4, je crois. Ah, la tour radio, les gars. C'est quel chapitre? Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Avec Matt, j'en suis sûr, frérot, tu abandonnes pas Emily quand tu tombes de la tour radio, là. Oh, c'est là, c'est là. Hein? C'est quoi ça? Whoa, this is Beth's phone. I thought the police, like, swept the whole area. Well, it looks like they missed this. Oh, la VO est tellement meilleure. C'est quoi là? Je suis chapitre 5, donc c'est chapitre 6. Chapitre 6, j'ai gagné. Regardez bien, les gars! Yelling at me and let me work this out, okay? No, you stop it! Why do you question every little thing I say? I'm goddamn... Matt meurt, tu tentes de sauver Emily, voilà! Regarde! Personne... Eh, je fais partie des 24% des gigachats qui ont été sarcastiques. Voilà. Regardez-moi tous ces coins-coins. Now, will you please get me off this goddamn tower? Please, 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 Matt, just do something! 66% des cucklords ont voulu sauver Emily et 34% des gigachads ont sauté. Eh bien, vous savez quoi? 66% des gros nuls sont morts. Regardez bien. Peut-être qu'il te donne une deuxième chance, là? Allez, c'est mort. Une deuxième chance, deuxième chance. Deuxième chance, peut-être? Oh, les gens ont changé d'avis! Ils ont changé d'avis, mec. 52% des gens, hein. Mais même si tu essayes de sauver Emily, tu peux sauver Matt avec un pistolet de détresse. Mais je sais pas où tu le trouves. Ah ouais? Ah ouais? Mon moment préféré. Ouais, God of War, il faut que je le fasse. Dans la tour. J'ai pas fouillé. Si tu chopes tous les indices du jeu, tu débloques une cinématique secrète. On l'a déjà vu, merci. Ok, il fait quoi avec le flare gun? Il fait quoi avec le flare gun? Il tire, mais il tire où? Alors. We can use the radio to call for help. Somebody's got to pick up the signal. Le son, hein. Donc soit tu gardes le flare gun, soit tu le donnes à... Ah, tu le donnes à Matt. Donc il tire direct. Donc et là il a tenté de sauver Emily, du coup il est tombé tout en bas, c'est ça? Matt a no defense against the attack. Ah. Mais attends, mais t'as le choix en haut de tirer? Si Emily le gardait, elle se faisait pas mordre. Mais alors comment tu gardes le truc? Yum. Gotta get to that radio. That could work, but I kind of think that maybe we. Here we go. Alors? You take this. Might need it. Tu y donnes?
Ah mais, il tire pas automatiquement, c'est toi qui décides de tirer. Ah, c'est toi qui décides de tirer direct. Ah, c'est grâce au totem. Bah ouais, mais mec, n'oubliez pas, j'ai fait zéro totem quand même. Il y a un moment où c'est moins à la queue un peu. C'est bon, stop, regardez la correction. Go Dimcum. Non mais toi, frère. Et ça, si tu sauves Emily. Attends, mais du coup, il faut que tu sauves Emily. Pourquoi elle reste à la porte là? Qui fait ça? Mec, qui fait ça? Quand tu fermes une porte à clé, tu mets pas ton dos, tu te mets pas dos au truc. Le Wendigo qui attaque Sam à la dernière scène du jeu est arrêté par Anna. Mais mec, arrête de te créer des films dans des films. Les deux Wendigo veulent se battre pour manger la cible. C'est tout. Y a pas de Anna qui sauve machin. Arrête un peu. T'as raison. Ok. Abandonne. Et là, il casse des trucs avec sa tête, frérot, c'est... Ça, c'est Anna, ça? Donc toi, tu penses qu'elle a pas tué Sam intentionnellement, là, c'est ça? Alors que si tu bouges, bizarrement, elle te bute, hein. Mais bon, vas-y, t'inquiète. Regarde. Là! Et là, t'es en train de me dire que elle a attrapé elle pour éviter qu'elle tue Sam. N'importe quoi! N'importe quoi, frérot! N'importe quoi! Frérot, il est juste. Il a juste vu de la bouffe courir. Et du coup, il a couru après, c'est tout. Et il savait que lui, il allait peut-être le tuer avant lui. Donc lui, il voulait l'arrêter. Il avait le meilleur angle. Lui, il avait un meilleur angle que lui. N'importe quoi, mec. Vous êtes complètement fou. Hein. Source, un youtubeur qui étire son contenu un peu trop. Eh, hey, les gars. Eh, hey, j'ai pas d'idée de vidéo, les gars. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo. Regardez, c'est pas ce que vous croyez. Ce n'était pas ce que vous croyez. Qui croyait prendre? Aujourd'hui, Sam, en fait, était un Wendigo depuis le début. Oui, mesdames et messieurs. Et en fait, les méchants dans l'histoire, c'est les êtres humains qui essayent de manger les Wendigo. Toute l'histoire est basée là-dessus. Et les Wendigo, ils essaient de protéger les vegans. Et les vegans, du coup, après, ils sont pas contents. Et du coup, ils se mangent entre eux. Espèce de dégénéré, va! Olive, merci, 4 mois, mon pote. Xavilenko, 6 mois, merci. Proza, 7 mois, merci. Fouine, 8 mois, produit. Twitch Prime, merci mes bébés, installez-vous. Je remets des alertes. Claquez-les pour ma bête de run quand même. Claquez-les pour la meilleure run du jeu. Claquez-les. Bon, Locke, il est temps de regarder les mêmes reviews. Il y en a plein. Squeezie l'a fait. Squeezie. Je suis pote avec ce mec. Oh là là, comment il était jeune. Aujourd'hui, je suis super content parce qu'on se retrouve sur... Les gars, c'est dingue comment YouTube et ce monde des influenceurs nous rend aigris, facialement parlant. Genre, regardez comment il est aigri aujourd'hui. Genre, facialement parlant, là, on voyait un mec, un petit jeune, qui commençait à avoir des rides, tu vois. Mais très content, heureux de vivre. Et aujourd'hui, on voit un mec méga cynique et gris. Notre nouveau let's play. L'année dernière, on a fait l'Insolation et cette fois, on va faire Until Dawn. Alors, pour vous, c'est dans les mêmes lieux. Attends, ça, vas-y, je regarde la fin. Regardez autour de vous, les objets qui brillent peuvent être examinés. Maintenant, la fin d'Until Dawn. Tout le monde s'est squeezé, aujourd'hui, on se retrouve. Mike, y a pas de clé.
Attends. Hey, j'ai envie de voir. Est-ce qu'il a été meilleur que moi? Non, Josh. Lâche-moi. Voilà du sang. Oh. C'est bon. C'est fermé. Oh. Anna a buté son. Allez dans 4. Le fromage, débat. Allez. Ok, on y est. Mais attends, c'est chapitre 9? Attends, il les a butés avant eux, non? Pourquoi y'a pas Matt? Ils a buté avant ce coup? Attends, mais c'est même pas lui qui sait même pas ça. Attends, mais je regarde la mauvaise vidéo. Hein? Je suis où là? Ah, c'est là. C'est horrible. Oh! Tout. Josh, parle à mon équipe. C'est Anna! Indigo! Oh yes! Reste dans vide. Je crois que j'ai. Il a buté Matt, l'enculé! Ah, il lui a pas donné le flare. Eh, classique. Je connais Squeezie, les gars. Il lui a pas donné le flare gun à Matt. Et du coup, il est mort en essayant de sauver Emily. Fin de game. Fin du game. Classique, c'est ça? Il a tué Chris. Comment il a tué Chris? Attends, quoi? Quoi? T'es bien. Il y a écrit traverser? Il y a écrit traverser là? Non, hé, les gars! What? Il y aurait écrit traverser, je serais allé, j'aurais traversé 100%! Non, les gars! Non, il y aurait écrit traverser, j'aurais traversé 100%! Se cacher, mec, ça voulait rien dire là-bas! Et tu sais, c'est la première fois qu'ils défoncent une porte avec leur tête et qu'ils tombent pas. La seule fois. Alors que la meuf, elle s'est fait, mais elle est tombée d'un ascenseur quand même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la première fois. Et en plus, tu sais, elle défonce des planches en bois comme as. Et des fois, ils arrivent pas à défoncer une porte avec du verre, mec. Je te jure, mec. Connard. Ok, mon gars. Je crois que ça va aller. Il va sauter dans le vide. Il pose la manette, regarde. Regardez, il pose la manette. Oh, nice ass, Wendigo. T'as vu, il pose la manette. C'est un tricheur, les gars, il pose la manette. Oh yes, on est sorti. Oh, mon gars. Life is Strange, c'est rompiche, frérot. Et c'est là où Chris... Bah, mais... Alors, fais voir sa fin, un peu. Je veux sauver Mike, je veux pas... Eh, dès qu'il y a Chris sauvé, Squeezie cliquera toujours dessus. Donc, dès que t'as envie de baiser les gens bienveillants, bah, hop, tu prends... Les maîtres de la bienveillance, hein. Dès que t'as envie de sauver le maître de la bienveillance, mec, tu mets sauver quelqu'un et hop, tu le baises. Moi, je suis un dev, frérot. Prochain Until Dawn 2, mec. Eh bien, crois-moi, frérot, je mets sauver. Tu veux sauver, tu meurs. Moi, je veux que tout le monde vive. Voilà, c'est bien. En fait, ce qui est dur dans un jeu comme ça, il faut que le choix soit un minimum logique. C'est ça qui est très dur. C'est qu'en fait, le choix doit être basé sur des faits et des indices. Pas juste sur les putains de totems de merde, tu vois. Vous y êtes trop fort. Non, déjà d'une, frérot, tu claques ton prime. Et de deux, Squeezie, il a regardé les totems, pas moi. Il y en a un qui est giga chad. Et il y en a un autre. C'est un gros loup. Putain, j'arrive même pas à parler, je suis tétanisé. Regarde, il pose la manette. Oh, il pose pas la manette. Et regarde, il pose pas la manette. Oh là là, mon gars, j'aurais pu mourir 1000 fois. Putain. Ça, pour moi, ça c'est le choix le plus dur du jeu pour moi. Parce que en vrai, on te dit 2 fois de se cacher. Tu te dis vas-y, tu vas pas à ce point-là forcer, tu vois. C'est ça qui est un peu difficile. Après, c'est vrai que si on te dit courir alors que le mec il est juste à côté de toi, bon, il y a quand même un choix un peu logique. Je me cache ou on convainc l'interrupteur. Putain, je sais pas. Je me cache. Trop risqué, je me cache. J'attends encore un peu. Il a déjà regardé la truc. C'est ça le problème avec les youtubeurs, c'est que en fait, ils passent leur temps à. Ah, allez, j'arrête parce que c'était le mois de juillet dernier que j'attaque les youtubeurs. J'arrête d'attaquer les youtubeurs, je vous aime, vous êtes tous. Scripté! C'était long, putain. Oh yes, battez-vous tous les deux! Il cut, hein! Mec, t'as vu, il cut, hein! Battez-vous tous les deux comme ça! Il cut!
Il laisse pas le let's play y aller. Question. Courir ou se cacher encore? Je sais pas, il y a un moment où il va falloir courir, mais. Ça se trouve, il fait les mauvais choix et il cut. Battez-vous tous les deux. Regardez les cuts. C'est pour ça que les youtubeurs c'est difficile. Vous tous les deux comme ça. Ça se trouve quand il cut, regardez. Là il y a eu un cut. Vous avez vu le cut? Et ça se trouve qu'il a recommencé sa game parce qu'il a fait un truc qu'il aimait pas. Parce qu'il a buté. Et c'est passé pour un trou du cul. Et il cut pour refaire le mec beau. C'est ça le truc. Ah, classique. Je sais pas, il y a un moment où il va courir, mec. Je sais pas quand. Regardez, moi je peux pas tricher en live. Tu vois? Je peux pas. Je peux pas tricher en live. Je peux pas, sinon ça se verrait. Bon. C'est trop tôt, on se cache encore. On est dans la merde. J'attends que vraiment les deux se jettent l'un sur l'autre pour me cacher. Mec, ça, elle a forcé là de se mettre à. Hein, je te le dis. C'est forçant. T'as vraiment l'impression que là on va te punir, tu vois. En plus, là, quand le Wendigo il te regarde, t'es pas bien. Je crois que c'est fini. Il y a quand même cut. Oh, okay, c'est bon. Go, 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 motherfucker! Non mais là vous comprenez, les Wendigo là il adorait Sam et il voulait protéger Sam et du coup qu'est-ce qu'il a fait le Wendigo, il a tiré le mauvais Wendigo pour que Sam survive. Voilà, laissez des pouces bleus et n'hésitez pas. Oh, Anna elle a sauvé. C'est d'ailleurs eu 3 mois merci beaucoup. 22 mois merci beaucoup. Toi tu donnes à tout. Oh, on a fait ce qu'il fallait putain. Ils sont pleins à être en vie. Comment elle a tué Chris? Oh putain. C'est... Oh pas elle. Elle j'aurais dû la buter en vrai. Elle j'aurais dû la buter. L'aube en plus. Emily et elle j'aurais dû les dégager. C'est la fin. C'est la fin du jeu. Oh putain. J'ai jamais été aussi tendu. Y'a une fin? Y'a une mauvaise fin? Chat, y'a une fin sur 0 survivant? How do you rate our chances of survival? I'm trying not to think about it. Yeah. Uh-oh. Shit. Sam. Ah ouais, là, y'a personne qui court, ils sont déjà tous morts. Ils sont déjà tous morts, y'a personne qui court. Run! Enfant. Rien? Elle a rien fait? Rien en giga chat. Et là par contre ne rien faire. Là je veux bien que c'est 0% les gars. Là ne rien faire ici, je veux bien que c'est 0% les gars. Ah oh, Mike le beau gosse hein. Ça change rien que tu fermes la porte? Ça change rien que tu fermes la porte? Comment c'est silencieux, ils sont que deux. Ils sont que deux. Il va bouger. Bouge, 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 bouge. Là, elle va pas le sauver, classico. Beyond Two Souls, tu sais que c'était l'un de mes préférés, hein, frérot. Enfin, j'ai jamais fait. Mais je crois que ce serait l'un de mes préférés. Bouge là maintenant. Ah non, je veux trop voir si elle bouge maintenant, alors que l'autre il a même pas encore écrasé l'ampoule. Bouge! Si tu bouges là, tu penses que lui il écrase l'ampoule et il court et après il allume? Rien? Ah j'adore le rien! Ah j'adore! Rien! Giga chat de rien!
Rien. Giga Chad. Eh hey mec, ce serait cool de voir si tu restes dans la maison jusqu'à la fin de la vie. Mec, ce serait cool d'avoir une fin où genre, tu deviens une statue dans la maison. Genre là, rien, fais rien. Non, fais rien. Mec, j'ai envie de voir un run où tu fais rien. Genre mec, tu fais rien, tu deviens juste une statue. Attends, je vais trouver ça les gars. Mais attends, il va quand même faire péter la maison, quoi. Ok. Ok, alors. Oh, le beau gosse. Ah ouais, le beau gosse, quand même. Là, c'est quand même une bonne fin, hein, tu vois. Il aurait pu ne rien se passer. Il aurait pu ne rien se passer, tu vois. Il a quand même foutu le feu à la maison, donc c'est un beau gosse. Giga Chad, Mike. Ok, et j'aimerais bien savoir si tu fais rien, genre, à mon avis... Attends, et là il y a un truc, ne rien faire. Anna, oh my god. Ah ouais, c'est vrai que t'es pas obligé de prendre un choix là. Hold on. Hold on. Ah, tu fais rien là? Waouh, là la diff, waouh. La diff est incroyable. Waouh. La diff est absolument incroyable. Merci pour cette vidéo. Merci beaucoup pour cette vidéo, quoi. Attends, y'a personne qui n'a rien fait à la fin? Y'a personne qui n'a rien fait à la fin? Non mais mec, à mon avis, elle meurt juste bêtement, frérot. Ah mec, regarde bien, gars, il a fait une vidéo. Oh non. Il a dit « Until dawn, Matt and Jess die instantly in the mines, do nothing. » Assez violente. Attends, mais il n'y a pas... Tu sais, si tu prenais le truc sur la main, il y avait un piège à ours. C'était GG. Pourquoi c'était GG? Regarde la mort de Josh s'il tire sur Ashley. Ah! Attends, Josh meurt avant? Quoi? Hello. And thank you all for joining me tonight. And that, please everyone calm.
Until Dawn, get Jessica's clothes off. Axed again. Almost. Attends. Not dead. Chris. This is the guy who killed. What do you mean? No. I swear when we get out of here, I'm the one. You die. Oh my god, no! No, no! Chris! 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 Stop! No! No, god, no! Oh wow, 52% des gens, ils ont tiré dans leur tête. Et 31% des gens ont été Giga Chad et ont rien fait. Les gens qui font rien, c'est les Giga Chad. Je vous le dis. Hein. Oh my god, oh no! Mec, c'est trop cheaté de jouer comme ça. Hein. C'est méga cheaté. Mais t'as vu, hey, même en voyant les stats, t'as quand même la stat genre qui est pas la majeure qui est la bonne réponse. Donc en soi, ça va. Fais la terre, s'il te plaît. Il a pas tiré ce con. Et de toute façon, c'était des balles à blanc, non? C'était des balles à blanc. Il a rien fait, le mec. Vas-y, là, tire un peu. Chris shoots Ashley. Mais c'est des balles à blanc. Tire, allez! Roule! Merci! Ouais, mais il y a l'intention. You're a sick fuck! Ok, waouh! Superbe! Superbe! Waouh! On a grave avancé. Ouais, mais Chris aurait tiré sur H. Ashley n'ouvrira pas la porte à Chris lorsqu'il sera pourchassé. Vraiment? Mais quelle saloperie celle-là, hein? Vraiment? Quelle saloperie! C'est quoi ce bordel? Are you gonna be okay? Yeah, take a breather. Ah, c'est ça la voix! Il y a la voix là! 100% Squeezie, il a pris la voix. 100%, on est d'accord ou pas? Tu feras The Last of Us Remake? Bien sûr. Sur PC. Squeezie, il a pas pris la voix là? Bien sûr qu'il a pris la voix, frérot. Tu crois quoi? Oh, God. Oh, non. Il a lu le livre? Qui a lu le livre? Il y a un livre, Until Dawn? Mais pourquoi tu ouvres sans parler? En bas. Oh merde. Mais pourquoi il lui parle pas? Dans ce cas-là. Tu sais? T'entends une personne parler, automatiquement tu lui réponds, non? Y'a un moyen où tu ouvres pas la trappe?
Attends, mais vraiment là? Attends, tu... Quoi? Attends, tu peux envoyer Chris à la morgue ou c'est vrai? Oh my god, Ash! Oh my god, Ash! No! I can't say none of this can be happening! No! Ah ouais, ça c'est terrible, ça c'est terrible. Ah ouais, tu peux double kill les deux comme ça? Mais qui ferait ça, les gars? Qui irait double... Moi? Moi? J'ai pas fait ça, moi. Ah! Mathieu, regarde, ça c'est marron. Run! Go! Now! Celui-là était méga run. Bâtard, hein, quand même. Donc là, time de la porte. Ash, come on! This thing is right behind me, please! Je rappelle, hein, que nous avons en face de nous une porte en verre, mesdames et messieurs. Nous avons en face de nous un homme qui a un fusil à pompe dans les mains. Et regardons la suite. Ash, what are you doing? Et là, attends, même pas une émotion. Waouh, même pas une émotion. Waouh. Waouh, irréaliste de malade quand même, hein. T'imagines la saloperie? La saloperie, même pas une émotion. Tu vois quelqu'un, genre même si quelqu'un qui a voulu te tuer ou je sais pas quoi, qui se fait décapiter par un monstre, mec, il y a un moment où t'as quand même une émotion. Chris! Mais regarde après. Fuck! What the fuck? Chris. It's too late. Oh! You gotta go. It's too late. Like now, okay? Stay with me, Ash. Come on. Stay with me. C'était trop tard. Menteuse. Papa. Oh, wait. Stop. You can do it, Chris. It should be me. You chose to save me before. Let me choose this time. Let me choose to save you. T'as vu, elle te dit en plus, tire-moi dessus. Elle te dit, tire-moi dessus. If I do one last thing in my life, let me do this. You're sick. Ah ouais. You're a... Elle te dit vas-y tire-moi dessus. Sick fuck. Call of Duty Treyarch, subscribe. Ok, je crois qu'on a tout vu. Ok, on a tout vu. Eh les gars, le jeu il est incroyable, hein. C'est une masterclass, hein. Ah les gars, c'est juste, on va finir sur une note. On va finir sur une note, les gars, assez positive sur les morts d'Emily, les gars. On va finir sur une note positive. Chat, si tu prends trop de temps, genre tu perds les QTE, tu prends trop de temps, le monstre se rapproche de toi ou pas? Genre il y a pas de délire de distance dans le jeu, hein. À chaque fois que je me dis que oui, en fait, c'est pour ça que je vais agir méga vite. Mais je pense, à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a un délire de distance. Alors avis The Quarry ou Until Dawn? Until Dawn tous les jours, frérot. The Quarry, ça n'a rien à voir. Until Dawn, mec, jusqu'à la moitié du jeu t'es en mode oh waouh. En fait jusqu'à la moitié du jeu tu sais toujours pas qu'il y a... Genre tu sais, à la moitié du jeu tu sais toujours pas qu'il y a des monstres. C'est trop bien. Mec, The Quarry, au bout de 10 minutes de jeu t'as tout compris. Reprends-toi.
Au bout de 10 minutes de jeu, t'as capté qu'il y avait des loups-garous, frérot. C'est trop, tu vois. Y'a pas de... Genre, là, y avait vraiment une histoire profonde et incroyable, tu vois. Coucou, tu veux voir ma bite? Ah, je m'y attendais pas du tout, putain, sa mère. Ah, je m'y attendais pas du tout, putain. Mais attends, il se passe quoi dans l'ascenseur là? Coucou, tu veux voir ma bite? Ah, tu fais tous les QTE? Oh, fatality. Mais attends, attends. Donc il y a quand même un délire de retard, non? Parce que là les gars, imagine que tu réussis ce QTE là, regarde, celui-là. Tu le réussis. Tu te fais pas percer les yeux? Ah ouais, c'est bizarre quand même. Parce que là le temps que tu mets à descendre le tonneau, bah c'est même tu mets plus de temps à courir tout droit quoi. Tu le ralentis. Ah donc c'est celui-là qui est méga important alors. C'est celui-là qui est méga important. Sinon il te rattrape. Si tu loupes celui-là, même si tu descends le tonneau, tu viens niquer en fait, non? C'est celui-là qui est méga important. Genre, si tu loupes ce tonneau, t'es puni de ouf, en fait, c'est tout. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Là, tu vois, le mot... Honnêtement, ils ont vendu la mèche, quand même. Rester sur place, personne fait ça. Tu vois, en fait, ils ont vendu la mèche sur ce choix-là. Ils ont vraiment dit, les gars, choisissez pas ça, tu vois. Ils auraient mis genre monter, ça aurait été plus moi je pense. Ils auraient dit vas-y, tu continues à monter, tu vois. Continue à courir tout droit, quoi. Genre, ou même courir, le mot, tu vois, ou quoi que ce soit, tu vois. Mais le mot rester sur place, l'expression, la petite phrase, tu vois, qui te donne pas envie de le faire. T'as pas envie de le faire, tu vois. Oh non. Aïe, aïe. Ah, y'a quand même, tu peux réussir un QTE quand même. Hey, si tu réussis le QTE, tu t'en sors? Ah, attends, mais attends. Ça, c'est quoi ça? Ah ouais, donc là, si t'as pris le haut et que t'as pas, et que tu réussis le QTE, t'arrives ici. Et si t'as pas le gun, t'es mort. Pourquoi il veut tirer en bas, il est cool, quoi. Ah ouais, bah, il veut juste qu'elle meure. Attends, elle est même pas morte. Elle est même pas morte. Ben voyons. Donc si t'as pas le flare gun, t'es pas mort quand même, frérot. Invincible. M, c'est pas le Wendy. Non, c'est pas moi. Vas-y, tire. Tire, je veux te revoir si ça fait la tirer. C'est d'autres abris, M. Pitié. Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là. Non. Avec nous. Non. Arrête, fais pas ça. Je tire sans hésiter. Giga Chad. Headshot! Oh,
Oh putain. Oh putain. Oh putain. Bordel, mais qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Merde. Mike. Merde, merde, merde. Ok. C'est fini. C'est fini. Vous êtes sauvés. C'est fini, je nous ai sauvés. Vous êtes sauvés. Ici, c'est sécurisé. Et après, elle fait la meuf qui a peur. Alors que c'était son idée. Oh, je la déteste, celle-là. J'ai envie de refaire le jeu juste pour la buter. Je devais le faire. Je la déteste. Je devais le faire. Ok. Je vais chercher la clé de Josh. Je reviens vite. Je la déteste, sa mère. Amber Heard. C'est fini. J'allais le dire, mais je voulais pas tacler. Après, j'allais être extrêmement jeune et masculiniste. Ils nous mordent, c'est pas contagieux. Ça fait absolument rien. Ah bah c'est pas l'eau. Fais-moi voir ça. Oh non. Oh merde. Oh merde, fallait peut-être lire avant de tirer, bande de cons. Merde. Merde, merde, merde. On doit... Va vérifier si elle a encore envie. Ah, c'est bon, on s'en bat les couilles, on s'en va. Attends, j'ai juste envie de revoir une scène déjà. J'ai juste envie de revoir une scène. Merde, putain, j'espère qu'ils sont pétés. Merde. Ok, ok, reprends-toi, Elle. Merde. Coucou. Tu veux voir ma bite? Ah, c'est masterclass! Ah là là, c'est masterclass, les gars! 2015 est toujours aussi drôle, les gars! Eh, masterclass! Ah ouais, il est parfait, mec! En plus, il est synchronisé avec le regard du monstre, c'est incroyable! Coucou! Ah, il y a des blagues qui vieillissent pas, tu vois, genre, c'est un truc de ouf.